tenais à remercier l'hospitalité marocaine. Moi je suis marocain, mais du coup je connais déjà à peu près Agadir, je suis déjà venu une fois. Et c'est toujours exceptionnel, peu importe quand je viens, toutes les fois que je viens au Maroc, c'est toujours la même chose, c'est incroyable. Bonjour, alors je m'appelle Lélia et je suis au collège et on est venu au Maroc pour un voyage humanitaire. Donc ce voyage il m'a permis de découvrir d'autres cultures, d'aider des enfants. On est allé dans des écoles pour leur apporter des matériaux informatiques pour les aider. Et c'était un plaisir de voir les autres enfants heureux grâce à nous. Et j'espère que ça leur contribuera à leur développement plus tard. J'ai trouvé cette expérience très bien, très enrichissante pour moi. Il y a eu beaucoup de nouvelles choses et je suis vraiment très heureuse d'être venue au Maroc. C'était vraiment bien. Bonjour, je m'appelle Lucas, je suis étudiant et on est une association qui vient de France pour aider les enfants des collèges et des primaires à ce qu'ils aient du matériel plus technologique et qu'ils puissent mieux réussir leurs études, tout ça. Et ce voyage nous a permis aussi de découvrir de jolis paysages et on a pu aussi découvrir l'hospitalité marocaine, pardon, qui est vraiment très, très accueillante. Assalamu alaikum. Donc je me présente, je m'appelle Yahyaoui Abdelwahed. Je suis responsable d'une association basée à Saulx-sur-Rhône en tant qu'intervenant principal. L'objectif de ce projet, de ce séjour au Maroc, c'était avant tout un projet humanitaire entre deux structures, un échange avec une école locale, donc à l'école Anza Mokhtar Soussi, en collaboration avec la section jeune de Saulx, où il y a eu au préalable une collecte de matériel informatique destiné aux enfants de cette école. Donc sur le projet, nous sommes venus avec 13 jeunes âgés de 13 à 16 ans qui ont pu découvrir une autre culture, un autre pays, découvrir la culture marocaine, l'accueil et l'hospitalité marocaine. Donc pour moi et pour eux, ça a été très très enrichissant cette semaine sur le plan humain, sur le plan émotionnel, parce qu'on a découvert et on a fait de magnifiques rencontres. Et l'objectif est de faire prendre conscience à nos jeunes, dont notamment les petits de Saulx-sur-Rhône, la chance qu'ils ont de pouvoir étudier dans de bonnes conditions et d'avoir le matériel nécessaire pour pouvoir étudier comme il faut. Donc c'est une expérience extraordinaire sur plein de points, mais avant tout c'est une aventure humaine et l'aventure humaine a été respectée et le principal c'est que les enfants repartent avec des souvenirs plein le cœur et des étoiles plein les yeux. La vérité est en toute mystérieuse.